Espace culturel et artistique Mendy Solam. Donc c'est un lieu à vocation, comme je vais dire, culturelle et artistique, c'est-à-dire que nous pouvons retrouver une salle d'exposition. En toute l'année, il y a des expositions qui changent entre 15 jours ou un mois selon la durée. Ensuite, nous retrouvons donc au premier étage une salle dédiée à l'art vivant, c'est-à-dire que ce n'est pas une salle que de spectacle. Quand elle est utilisée pour le spectacle, il y a une capacité d'accueil de 163 spectateurs. Et nous pouvons aussi accueillir des résidences d'artistes, des stages, mais aussi des expositions qui demandent plus d'installations. Donc cette salle aussi peut permettre ça, puisque les gradins sont complètement rétractables. Et nous pouvons avoir donc une salle de 200 m² au premier étage. Ensuite, la salle de 200 m² aussi au troisième étage. Cela avait permis d'avoir, c'est une grande galerie. Beaucoup de personnes donnent l'impression que c'est un petit loft dédié aux expositions. Et là, nous pouvons retrouver des expositions diverses de peinture, de photographie, de sculpture, d'installation, voilà, tout ce que l'on peut avoir. Alors souvent, ce sont des acteurs, on va dire, des artistes locaux, mais ça peut être aussi des gens qui viennent d'ailleurs présenter leur travail dans une durée de 15 à un mois pour certains. Voilà, c'est donc un lieu ouvert tous les jours, du lundi au samedi inclus. Et les gens, donc, il y a une ouverture de 10h à 13h et de 15h à 19h. Les personnes peuvent venir. Il y a aussi, donc, bien sûr, donc, des spectacles organisés dans le cadre de la saison culturelle. Donc, une fois par mois, il y a un spectacle qui se déroule à la fois dans la salle de Mendy Solam, et on peut retrouver aussi certains spectacles au niveau du théâtre des variétés. Voilà, c'est une action, une opération de la ville d'Hendaye, puisque la ville d'Hendaye, au niveau culturel, a deux pôles, un pôle cinéma, musique et cinéma, qui est le théâtre des variétés, et un pôle exposition et art vivant, qui est ici, dans ce nouvel espace culturel, Mendy Solam, qui a été inauguré en janvier 2011, donc tout est à mettre en place. Donc, cette année, le thème a été choisi, le chocolat. Alors, la part, on va dire, de Mendy Solam par rapport à cette exposition, on va dire, par rapport à cette opération, nous, c'est une exposition. Alors, on accueille un artiste qui s'appelle Jean-Louis Chollet, qui est passionné de photos. Donc, lui, il devait faire son exposition et on a eu l'idée, en fait, de scinder son exposition en deux. La salle le permet. Une partie sera consacrée à ses photos, ses regards, voilà. Et une deuxième partie sera consacrée, donc, au chocolat. Le thème choisi pour cette année, donc du 17 au 22 octobre inclus, cette semaine, eh bien, il y aura l'exposition sur le chocolat. Alors on va pouvoir retrouver des photos, alors c'est une exposition de photos, mais aussi on va essayer de trouver des artistes qui peuvent avoir certaines œuvres sur le chocolat, notamment peut-être travailler la matière chocolat. Et il y aura donc plusieurs photos, on va peut-être voir un enfant qui est dans une tablette de chocolat. On va peut-être voir aussi une vitrine de magasin de pâtisserie d'Hendaye qui présente du chocolat. Alors on va essayer d'emmener les personnes à un véritable voyage autour du chocolat. Et Jean-Louis, lui, continue son expo, la deuxième partie, un voyage épicurien entre le plaisir, l'art de la table, le plaisir de pouvoir manger entre amis, les fêtes aussi, puisque les fêtes sont assez présentes sur notre territoire. Et qui dit la fête dit souvent un retour autour d'une bonne table. Donc il va nous présenter aussi une suite quand même. Et vraiment la première partie sera consacrée au chocolat, donc on fera un vernissage le lundi 17 qui lancera l'opération et ça se passera donc à Mendy Solam. Et après, comme je vous dis, d'autres artistes vont peut-être pouvoir mettre en place aussi certaines œuvres, des petites installations. Voilà, on va essayer de donner une couleur, on va dire couleur chocolat pendant une semaine à Mendy Solam.